and leave this place behind. No matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de Madventure. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Clairement c'est pas prêt de s'arrêter. Je suis tellement content, je suis tellement hype par cette aventure et je suis trop content de vos retours les amis. Donc vraiment comptez sur moi bien sûr pour vous régaler. Hier soir on a refait un live, alors ce soir je ferai pas de live probablement. Mais en tout cas hier soir on a refait un live où on a miné et on a enfin récupéré plein de choses. Alors j'ai aussi fait du coup un petit système pour avoir de la bonne mille automatique, hein, tout simplement. Donc il suffit de mettre toute la merde dedans, regardez hop là tu mets, enfin toute la merde, excusez-moi c'est un composteur quand même. Voilà et puis ça crée de la bonne mille, c'est absolument formidable, voilà. Pour ce qu'on a fait, et puis on a donc beaucoup beaucoup miné. J'ai regardé, fait des jolis arbres avec des lanternes, c'est bien mignon, c'est bien sympa. Ok, j'ai fait reproduire aussi plein de vaches. Bon, entre temps, il y a eu un petit génocide. Également, je suis à 23 niveaux alors que j'en avais pas loin de 30. Bah, je suis mort en live. Voilà, j'ai eu ma première mort. Un petit extrait maintenant. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, bah, c'est pas grave, on a bien rigolé. Alors, les amis, j'ai farmé des petites choses en off pour pouvoir aujourd'hui créer. Mais non, j'ai tout sur moi. Créer une farm à vaches automatisée et simple. Je vais suivre un tuto d'un gars qui s'appelle Sabo. Voilà, Sabo. N'hésitez pas à aller sur sa vidéo, je mettrai en description le lien. Et comme ça, vous pourrez mettre un petit commentaire en disant coucou, Mkolo a vu. Enfin, Mkolo a suivi ton tuto. Voilà, on va suivre son tuto et je vais vous montrer comment on fait aussi du coup pour faire cette petite ferme qui est quand même relativement connue et classique. Je vous montre un petit peu le faire. Bon, j'en avais un petit peu plus que ça quand même, mais bon, j'ai dû crafter pas mal de choses. J'ai fait aussi, du coup, comme vous m'avez suggéré, bonsoir, je m'appelle Mkolo. Un truc là pour les coups de foudre, je parle pas de l'amour, parce que l'amour c'est nul. Voilà, donc on va en mettre un. C'est extrêmement moche, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ça nous évitera de faire brûler notre maison. S'il y a un coup de foudre au moins, paf, on se le prend. Ah non, mais il faut le prendre, il faut le mettre plus haut, je crois. Il faut le mettre plus haut parce que sinon c'est quand même dangereux. Alors ce qui va nous permettre de faire un truc un peu moins débile. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bah, bah voilà. Bah non mais c'est très bien. Oh j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Ah c'est pas grave, attendez regardez ça fait un. Ah mais non mais c'est bon, voilà on va faire comme ça c'est pas grave. Bon là ça flotte un peu mais malheureusement on peut pas faire autrement hein. Après si je peux toujours faire comme ça. C'est des détails hein. Eh bah voilà. Là. Aïe, là c'est parfait, c'est parfait. Bon déjà, dans un premier temps, personne ne verra. Et puis de deux, au moins ça fait un petit relief. Non, non, mais c'est bien, c'est cohérent, de toute façon on n'a pas le choix. Voilà, je veux pas que ma maison crame. Donc voilà un petit peu pour ça. Également, on a fait des... là, notre objectif ça va être d'avoir des bouquins mending. Donc les livres avec enchantement mending. J'en ai un. What the fuck. Je suis trop con, j'avais même pas capté que j'en avais déjà un. Que j'avais looté dans un coffre, j'imagine. Eh ben c'est super. Mais les gars, mais fallait me prévenir plus tôt. Bon bref, en gros on essaie d'avoir plein de livres mending avec les villageois là-bas. Et pour ça je prépare plein de trades. Voilà, fletching table pour ceux qui ont suivi les lives et pour ceux qui savent comment faire des villageois justement avec les enchantements mending. Pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'on a d'XP, ça répare nos outils. Et par contre ça va être parfait pour la pioche. Donc on va faire des enchantements de malade sur la pioche. Ah mais c'est génial. Mais je savais pas qu'on... J'avais zappé qu'on avait un livre mending, on l'a chopé ensemble. Bref, que du bonheur. Bon. Les amis, on va faire la machine à vache. Pourquoi la machine à vache? Parce que ça va être une machine à cuire et à nourriture illimitée, sans aucun effort. Et c'est absolument ce qu'on veut, on veut pas faire d'effort. Et on en a marre de la cruauté animale. Alors, c'est absolument cruel hein, ce qu'on va faire, hein, bien sûr. Mais au moins, on verra pas. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas les tuer nous-mêmes. Bon, bah on va fabriquer ça. Où c'est qu'on va construire la machine? Peut-être pas en extérieur. Après le problème c'est que si on peut le faire en extérieur, mais c'est vrai que eh ben c'est un peu triste. Mais en même temps bah ce serait quand même plus pratique de le faire en extérieur. Alors moi ce que je vous propose c'est que je terraforme ici et on va faire ça sur le même niveau. Allez on va faire ça, je vous reprends juste après les amis. Alors je vous reprends parce que du coup j'ai terraformé, ce qui m'a donné un petit peu les idées claires. Et en fait je me suis dit bah autant faire ça justement dans l'enfoncement ici. Ce sera juste parfait. Ce sera la première alors non pas habitation mais la première structure
qui sera ancré dans la montagne. Et je pense que c'est une bonne idée. Ah oui, si vous entendez moins fort le jeu, c'est pas le jeu, c'est que j'ai baissé les friendly creatures parce que j'en peux plus d'entendre brailler ces animaux, ça va être très compliqué. Donc voilà, on va faire ça ici dans l'enfoncement et du coup ça nous permettra de rendre ça peut-être joli. Enfin, je suis pas persuadé de pouvoir rendre ça joli puisque c'est quand même un peu de la torture, mais on va faire ça les amis. Allez. Oh là 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 là, c'est ça ce que j'aime avec Minecraft, c'est que tu fais de la construction, tu fais des trucs comme ça et donc en minant, bah tu tombes sur des filons de charbon mon pote et ça ça fait plaisir. C'est pas fini, c'est pas fini. Attendez, du coup je vais reboucher ça proprement. Ce qui est cool c'est que là la machine qu'on va faire, elle est quand même peu coûteuse. Déjà de base elle est pas trop coûteuse, mais elle est encore moins coûteuse parce que je la fais déjà dans des blocs. Donc du coup ça me demande pas de blocs et ça c'est fou. J'ai dû recrafter aussi 4 hoopers en plus, tout simplement parce que bah, dans le tuto il s'est un petit peu chié. Comme il est en créatif le mec, donc big up à toi d'ailleurs Sabo. Du coup il avait 2 hoopers sur lui mais en fait il en faut 4. J'ai regardé donc voilà. Donc là hop, hop. Donc si je suis pas trop con, ça j'enlève, si je suis pas trop con, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, et je vais devoir, de toute façon... Oh, j'ai plus de coffre, oh, c'est pas possible. Non mais, hé, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon, le sol, on fera ça plus tard. Ouais, tant qu'on... on va faire quand même un truc joli tant qu'on y est. Mais donc pour le moment, je vais juste mettre de la terre pour nous, comme ça on est tranquille. Par contre là, donc il faudra un double coffre. C'est terrible. C'est absolument terrible. Bon, bref, eh ben, je vais rechercher ce qu'il faut. Ok, donc là, ce qu'on va faire directement, on va essayer de toute façon, hein, au pire je recommence. On met les coffres, ensuite on met les hoppers. Tac, tac, ce qui fait que là si je jette, ça finit dans le coffre. Vous l'aurez compris, ça va être les ressources qu'on demande aux vaches. Là je fais pareil, tac, tac. Donc là si je jette ma pelle, hop, je la retrouve à l'intérieur, parfait. Et là, si je dis pas trop de bêtises, alors il faut mettre des plaques, tu m'as compris. Tout est entouré donc, ça c'est parfait. Et là, il a dit on recule à partir de là. On va reculer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis même bien plus loin que prévu. Bon, au moins c'est parfait. Très bien, ça c'est nickel. Donc là, si je place de l'eau, ça s'arrêtera là. C'est juste nickel. Ok, je vais chercher mon autre source d'eau et on va continuer. Ok, donc là, je repose une source d'eau ici. Voilà, c'est pas mal. Bon là du coup, normalement les vaches elles seront attirées vers le middle. Mais en réalité on s'en fiche, hein. En vrai on s'en fout total. Au pire je pourrais toujours ajouter des sources là où il faut. Ok, ça c'est bon. Une fois que ceci est fait, il a dit on peut mettre on peut mettre quoi? On peut mettre ça là, c'est ça? Ok. Oui parce qu'en fait il faut partir du principe quand même que là ce sera fermé de cette manière. Voilà, tout autour. Alors j'ai encore de la cobble évidemment, heureusement. Voilà, là ce sera vraiment fermé. Ensuite, là il y aura de la lave. Là il y aura de la lave. Alors attendez, bougez pas. Si je mets la lave ici... Attendez, je sens, ça sent la connerie hein, ce qui va se passer. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, ah oui, alors attendez, non, je me suis trompé. Je me suis trompé, en fait, la cobble, elle se met à l'étage inférieur. Comme ça les bébés vaches, en fait vous avez compris le principe, les bébés vaches vont passer. C'est horrible. Et en fait quand elles vont grandir, c'est parfait. Quand elles vont grandir, bah, elles vont mourir. C'est absolument horrible. Bah vous savez ce que je vais faire, tant qu'on y est, je vais rechercher de la lave et de l'eau. Bah je vais descendre directement. Puisque de toute façon il y a de la lave juste en bas, juste ici, voilà. On y va, je vais rechercher tout ce qu'il faut. Je suis mort de rire parce que c'est un truc de psychopathe quand même. Tiens, pendant que je vous ai sous la main les amis, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas encore les amis, ça soutient énormément, voilà. Je suis Mkolo l'influenceur mais c'est très important et je vous en remercie à l'avance. Le petit pouce bleu, le petit commentaire bien sûr qui fait toujours plaisir. Attendez, petite parenthèse, si je place à tout hasard une source d'eau là, voilà, ce sera beaucoup mieux. Et en plus c'est une source d'eau infinie maintenant. Superbe. Superbe. Bon, comment je fais pour remonter? Eh bien, c'est très simple. On va se faire eh bien, un accès ici. Hein, parce que sinon, bah, c'est la merde. Hop, hop, hop. Voilà. Alors ensuite, on continue. Maintenant, j'ai tout compris du tutoriel à force. J'ai regardé en boucle. On va tout simplement eh bien, fermer ici. On va aussi ensuite... Non, en fait, c'était pas obligé, mais c'est pas grave de refermer là. Alors, je vais recasser parce que sinon, ça va me perturber. Il faut refaire finalement... Eh bien... Mais si, attendez, déjà on rebouche là. Déjà on rebouche là. Les vaches, faut bien qu'elles tombent, faut bien qu'elles passent.
Ok, donc je refais une plateforme ici. Et c'est à partir d'ici que je mets des chaînes. De sorte à ce que les vaches viennent. Mais attendez, c'est complètement débile de faire ça. Moi, les vaches, elles vont faire comment? Ah mais non, mais c'est génial! Mais non, c'est encore mieux que prévu. Je vais pouvoir faire un truc encore plus grand. Bon, vous allez comprendre mon idée. Je vais faire ça à ma sauce. Là, on va... Mais si je fais ça en cobble, ça change absolument rien, on est d'accord? Parce que là, en gros, je vais faire tomber les vaches dedans. Voilà, les vaches vont aller dedans. Je vais les faire reproduire, donc les bébés vont passer à travers les mailles. Ils vont aller là, vont mourir, voilà, tout simplement. Et en fait, je peux faire ça genre deux fois plus grand. Alors, on changera les blocs pour rendre ça plus joli. Faudrait qu'on le fasse maintenant, finalement, mais... Ce qui est pas mal, c'est que du coup, je peux répéter ça derrière encore autant de fois que je le veux. Et ça me fera beaucoup plus de vaches, beaucoup plus de rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Bon. Donc, on va mettre le vert. Ça va être beaucoup mieux. D'ailleurs, ça fait une source de lumière gratuite. Je dis ça, je dis rien, donc on va mettre du vert. Voilà. Oh putain, quel con. Je me suis chié dessus. J'ai cru que j'allais finir bloqué dans la lave. Bon, bref. Putain, j'ai déjà plus rien, c'est un truc de fou. Et il fait nuit. Bon, bref, allez. Je vais continuer ça, vous avez compris le principe, de toute façon. Oh, Bichette, tu veux du steak? Tiens. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Une deuxième? Ah non, c'est... Je pense que tu as assez mangé, c'est bien. Voilà, c'est bien, allez, hein, il faut... Oh, c'est l'inflation, ça coûte cher. Bon, bref, alors ensuite... Non, je rigole évidemment, attends, parce qu'on rigole, on rigole. C'est pas le bon truc à rigoler avec les animaux, bien sûr. Mais voilà, hein, quand on adopte, on sait... On sait qu'on peut subvenir aux besoins de son animal qu'on aime, d'accord? Voilà, ça c'est dit, c'est Bibi qui régale. C'est le petit message de prévention derrière cette blague un petit peu de mauvais goût. Pourquoi il y a une vache là? Ça dégage ça. Je veux pas te voir. Ici c'est dans l'enclos tant que j'ai pas décidé que c'est fini. Bon bref, donc j'ai récupéré le reste de mon sable qui a couillé. Et donc en fait, tant qu'on y est, hein, j'ai refait des chaînes aussi. Tant qu'on y est, autant se faire plaisir, j'ai envie de dire. Tu vois? Et on en refait encore. 1, 2, 3... 4, c'est super, j'ai tout compris. Et comme ça, on aura encore plus de vaches. Enfin, en vrai, je suis pas sûr, ça change rien, je crois. Je suis un peu con. Bon, c'est pas grave. Par contre, derrière, on va mettre de la cobble. On n'a pas besoin de mettre de verre, finalement. Là, voilà. Là, je rebouche. Tac, tac, tac. Je suis pas encore sûr, en fait, de... Je comprends pas encore tout à fait tout. Du délire. Là, elles pourront sortir, les vaches. Donc, faut faire de 2 de hauteur. C'est pour ça, en fait. Ok, d'accord. Et là, elles peuvent pas sortir, les vaches. Superbe. Alors, je vais tout de suite faire les trucs importants. Parce que le verre, on le changera pas. Par contre, le reste des blocs, on pourra casser sans problème. Les vaches, elles vont pas s'enfuir pour autant. J'ai encore assez de verre pour faire le... Attendez. J'enregistre, là? Ah oui. Je me suis dit, si je fais tout ça dans le vent... attendez, on va tout casser comme ça. On sera tranquille. Donc là, j'ai fait un truc pour pas grand-chose. Mais tant mieux, c'est pas grave. C'est bien. Là voilà, là elles tombent, elles peuvent pas s'enfuir là. Là elles peuvent pas s'enfuir. Donc là pareil, je mets ça, comme ça elles pourront pas s'enfuir non plus. Et je pourrais casser les différents blocs pour changer la décoration. Voilà, est-ce que derrière... Ah ça peut être intéressant derrière de mettre du verre aussi, non? C'est toujours sympa pour voir. Voilà, là normalement c'est pas trop mal. Alors le seul truc où je vais avoir un petit souci c'est les blocs là. Voilà. Est-ce que je peux remonter? Voilà, change pas, t'es le meilleur. Bon, bref, heureusement j'ai encore de la glace. Hein. Dommage. Oh, c'est une blague. Non, mais là, y'a rien qui va, mon pote. Là, y'a rien qui va, mon ami. Bon. Eh bien, messieurs, dames. C'est pour vous dire que ça fonctionne. Hein. Là, je peux vous dire que le système fonctionne. Tu peux pas ressortir d'ici vivant. Ok, on va essayer de pas tomber. Hop, voilà. Mon dieu. Tac, tac, et je n'y retourne plus. Ça, c'est bon. Et donc là, bah, de toute façon, ça va être vite vu. Ça va être vite vu si ça fonctionne ou pas. On va tout simplement attirer les vaches directement. Il m'en faut juste genre 2, hein, ça suffit largement pour commencer. Alors, venez les bichettes, je vais pas toutes vous libérer quand même. Hein.
On va en faire sortir quelques-unes. Allez, viens. Ah, je voulais pas que tout le monde sorte. Oh merde. Oh merde, c'est la Paris Games Week. Ferme-la. Oh non, oh non, oh non. Eh les gars, je peux plus fermer la porte. Oh c'est bon. Ok, viens là. Viens là, viens là. C'est bon, j'en ai deux. On va y arriver. On va y arriver. Franchement, en tout cas, bravo pour le tutoriel. Encore une fois, je mettrai en description le lien de la vidéo parce que la vidéo est super simple, rapide et d'explication. C'est juste parfait. Allez-y, venez. Dans le même trou, par contre, ce serait pas mal. Parce que sinon, ça va être un petit peu chiant. Là, dans le trou, là. Vas-y, allez. Voilà. Voilà. Et donc là, on va en mettre beaucoup, beaucoup. Pareil ici. Là, je les reproduis. Ok. Elles font l'amour. Et là, elles vont lâcher une petite crotte. Un petit bébé. Voilà. Bah, ça marche vachement bien. Hein. Ça marche vachement bien. Ah, voilà, elle est tombée toute seule quand même. Oh, bah, ça va. Bon, c'est vrai que en fait, il faut partir du principe que. Voilà, il y aura beaucoup de vaches. Mais oui, donc elles vont se pousser. Je suis con. Viens là. Ah, si, mais je peux toutes les libérer en fait. Je vais toutes les libérer. Non. Bref. Dans le trou là. Dans le trou. Dans le trou. Dans le trou. Va dans le trou. Là, dans le trou. Voilà. Et comme elles vont se pousser, ça va être parfait. Et donc là, on va pouvoir voir la petite vache. Parfait. Par contre, les blocs, c'est chiant. Bon, ça va dispo, ne vous inquiétez pas. Et dès qu'elle va grandir. Dès qu'elle va grandir, paf, elle va se prendre le feu, elle va brûler, elle va mourir. Et elle va me looter ici. Attends, je peux pas récupérer la crowbar? Non. Ok, dommage. Bref, donc voilà. Après, je pourrais lui donner du blé pour qu'elle grandisse plus vite. L'idée, c'est que ce soit automatisé. Donc, on va pas le faire. Allez, maintenant, on va ramener plein de vaches, les amis. Et on sera pas mal pour la machine. Pour la décoration, on verra ça ultérieurement, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui est sûr... C'est que après on va aller faire un petit peu d'exploration les amis. On va essayer de trouver une jungle. Allez venez les amis. Là vous pouvez vous faire plaisir. On en gardera quelques-unes quand même. Pour faire genre qu'on est des bons éleveurs. Il y a un cheval qui s'est bloqué dans l'enclos à moutons. Il se fait gangbang. Ah pauvre cheval. Non ça c'est pas ce que je voulais faire. Pauvre cheval. Il se fait gangbang littéralement. Nickel tout le monde vient. Ah vous pouvez me suivre vous servez à rien. Vous êtes des vaches laitières. Ok, let's go. Venez, venez. C'est la partouze générale. Ici, messieurs, dames. Venez, mesdames. Comment on va faire, bordel? Allez, tous dans le trou. Ok, parfait. C'est moi qui vais tomber dans le trou, ça va être trop drôle. Si je tombe dans le trou, par contre, c'est la merde. Hein. Parce que pour ressortir... Eh, les refs. S'il vous plaît. Attends, regarde. Hop, hop. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. Comment je vais faire? Venez. Ici voilà, bouge pas. Hop dans le trou, dans le trou. J'ai dit dans le trou, dans le trou. Putain mais c'est pas possible, les vaches elles sont trop intelligentes. Oh non elles sont trop intelligentes. Elles sont trop intelligentes, c'est bon j'en ai. Non pas du tout. Oh frère, ça me gonfle hein. Ça va me gaver, ça va me gaver. Allez dans le trou. Je rigole pas, voilà, toi t'es finito. Toi hop dans le trou. Au cachot. Voilà. Au cachot. Non reviens. Attends elle est toute seule. Ça attends elle est toute seule la pauvre. Attends. Mon ref, j'ai besoin de toi. Allô. Viens. On va y arriver vous inquiétez pas. Ok faut que je me mette là. Mon ref. Viens là. Jacqueline. Voilà oui, j'avais oublié qu'elle s'appelait Jacqueline en fait. Bon pour le moment il n'y en a qu'un seul qui est rentabilisé. Ah bah voilà, superbe. Et là, il n'y a plus qu'à les reproduire en masse. Et ça va être magnifique. Bon, j'ai hâte de voir si ça va vraiment bien fonctionner. Ah c'est bon, les bébés tombent tout seuls. Les bébés tombent tout seuls. Normalement, il y a deux bébés en plus, donc trois bébés, on va regarder. Voilà, il y en a même quatre. Un, deux, trois. Non, trois, je ne sais pas. Bref. Par contre, elle respire de la lave, hein, littéralement. C'est un peu cruel, hein, faut pas regarder de trop près, hein, bien sûr. On mettra... mais attends, mais je suis bête, oh là là. Ah oui, mais si je fais ça, les vaches, elles pourront pas tomber. Non, attends, je suis bon. On mettra ça à la toute fin. Mais d'abord, il faut quand même que j'ai des vaches. Alors, attendez. Libérez tous mes copains. Les vaches. Venez les vaches. C'est Bibi qui régale. Voilà, par contre, calmez-vous. Oh putain, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Attendez, stop, arrêtez-vous.
Arrêtez-vous. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis bloqué dans l'enclos en plus. Ah mais c'est qu'elle re-rentre dedans. Bon, c'est pas grave. Eh, au pire, c'est bon, vous m'avez tout saoulé. Voilà. Oh non. Oh non. Oh non, misère. Non. Oh, j'ai encore de la glace. Oh, la chance. Ah ouais. Vite. Non. 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 Vous sortez pas. Oh non, putain. Vous sortez pas. Vous sortez pas. Oh non, j'ai trop le seum, putain. Bon, allez-y, sortez là. Vous servez à rien. Allez, reste là-dedans. Reste là-dedans. Tu vas mourir. Vous allez mourir. Putain, c'est pas possible. Je me fais maltraiter par mes vaches. C'est pas possible. Je suis tombé comme une merde. Allez, venez. Venez maintenant. Vous allez mériter tout ce que vous méritez. Hop, au cachot. Au cachot. Au cachot. Au cachot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est... Non mais, hé, c'est une vanne. C'est une vanne. C'est une vanne. Rentre dedans. Voilà, viens là, Gigine. Voilà, viens là. Au cachot. Putain, c'est pas vrai. Au cachot. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, c'est trop. Bon. Vous, vous allez tous vivre. Mais alors, par contre, c'est la montagne des vaches, hein, ici. Hein. C'est la montagne des vaches. Allez. Je vise bien, bouge pas. Ok, c'est bon. J'en ai save 2. Même 3. C'est horrible ce que je fais. Allez, au cachot. Mais c'est pas vrai. A few moments later. Aïe 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 aïe, quelle histoire les amis. Bon, après cette démonstration totale de maltraitance animale, et j'en suis absolument navré, mais on n'a pas le choix pour ce genre de machine. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller eh bien, se balader, en fait, explorer finalement, voir, pour trouver une jungle, avoir des bambous pour avoir des sticks illimités, pour faire d'ailleurs des échanges avec les villageois. Vous allez voir, ça va être très intéressant. On va aller voir ça, si on peut trouver un petit désert, c'est toujours sympa. Donc voilà, là on va partir vraiment en expédition pour cette fin d'épisode et pour les prochains épisodes. Donc on va prendre tout ce dont on a besoin pour voilà, se faire un petit camp de survie, etc. etc. Mais d'abord, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va passer par le village. Justement pour voir les échanges qu'on va pouvoir faire avec les villageois. Pour ceux qui n'ont pas assisté au live, pour que vous compreniez bien, tout le potentiel. Donc je vais prendre toutes les laines sur moi, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre la fletching table également. Me semble-t-il, alors j'ai pas mal de cuir pour faire des bouquins. Donc je vais prendre tout sur moi dans le doute. Toute la canne à sucre que j'ai, je vais en faire des papiers. Voilà, et puis je pense qu'on sera plutôt pas mal. Et on va pouvoir partir dans le village une fois qu'on aura fini tout simplement ce qu'on voulait voir dans le village. Attendez, je vais juste abattre les vaches qui traînent malheureusement pour pouvoir me faire du cuir. On en a besoin du cuir, hein. C'est pour ça qu'on fait ça, hein, à la base, hein. Donc c'est pour ça que je vais me permettre cet petit acte de cruauté. Le cheval, on le libérera. Ou il s'est fait des copains, c'est bon, il est content. bref, on pourra. C'est cool parce qu'on a un cheval gratuit. On va pouvoir avoir un cheval pour se promener. Eh, hey, attendez, on va essayer de le prendre tout à l'heure du coup pour se balader. Oh, incroyable. Bref, donc voilà. On retournera à la base une fois qu'on aura fini notre expédition dans le village. On retournera à la base justement pour prendre tout ce dont on a besoin pour notre expédition. Parce que là je pense qu'on va partir pour quelques épisodes, hein, parce que si on se balade, je vais pas refaire le trajet en off à revenir, etc. Prochain épisode, on continuera notre exploration. Objectif 1, trouver une jungle pour avoir du bambou. Également voilà, les petits pandas, c'est toujours mignon, toujours sympa. Et puis objectif 2, trouver un désert éventuellement pour peut-être des Enderman, hein, sait-on jamais, c'est toujours sympa, les Enderperles. Et puis voilà, les petits temples, les structures, bref, on va explorer, on va découvrir. Il y a également les nouveaux marais qui datent de la 1.19 que vous m'avez donc expliqué. Donc voilà, plein de petites choses. Ah bah attends, justement, monsieur. Monsieur. Voilà. Ok, lui, ses échanges, ils sont pourris. Par contre, en fait, il faudrait que je le bloque. Donc, vous m'aviez expliqué, malheureusement, il faut faire acte de cruauté. Alors, ça va pas être très joli. Surtout, il va falloir qu'il coopère. Ah, purée, ça me rappelle. Oh, pardon, pardon, pardon. Personne n'a rien vu. Personne ne sait que je l'ai attaqué. Personne ne sait que je l'ai attaqué, donc c'est bon. Ça devrait aller. Alors, en fait, je vais vous montrer mon villageois à moi que j'ai bloqué juste ici. Hop, il suffit de passer par là. Hop, je passe en dessous. Et donc là normalement, voilà, mending. C'est plutôt pas mal, pour ça il demande 26 émeraudes et un livre. Très compliqué, je
Je peux faire des échanges de papier qui me donnent une, deux, pas plus. Voilà, deux émeraudes. Donc à la maison, j'en ai cinq. Donc vraiment, le compte. Merde. Eh, tu me redonnes mon papier? Eh, mec? Mon ref, tu me redonnes mon papier? Ah, voilà. J'ai eu un petit peu peur. Bon, bref. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le caca. Vous m'avez suggéré de faire un raid et tout parce que le fait d'aider les villageois, de les défendre, etc., eh ben, ça leur permet en fait de réduire le coût des échanges. Mais en vrai, c'est un peu galère. Alors, où c'est que je pourrais enfermer un villageois? Là. Bouge pas, toi. Voilà, bouge pas. Ne bouge pas. Je vais lui casser ça. Et je vais lui mettre ça. Et là, maintenant, il va se transformer. Et ben voilà, 32 sticks, une émeraude. C'est cadeau. Et donc là, les amis, là, ça va aller très vite. Le bambou, le stick, bam, c'est carré, c'est pesé, c'est remballé. Voilà. Donc là, il est bloqué. Il peut pas sortir. J'ai des trappes sur moi en plus, c'est absolument parfait. Pourquoi, messieurs, dames, me diriez-vous? Eh bien, parce que tout simplement, tac, tac. Et voilà, ça me permet de partir sans aucun problème. Ah, bah là, c'était le truc le plus rentable que j'ai pu faire. Donc là, les amis, je rentre à la maison. Je dépose tout ça, je re-range mes coffres. Je m'équipe pour partir plusieurs jours. On part. On cherche du bambou. Et on se met très très bien, les amis. Vraiment, là, on est au top. J'espère que vous kiffez jusqu'ici. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche, le commentaire. Et let's go! Vous êtes des boss. Ok les amis, je suis en train de me faire cuire. Bah voilà, la nourriture elle est prête. J'ai pris sur moi des pommes, Diamond Horse Armor et une petite selle. J'ai sécurisé ma pioche pardon, en diamant ici au cas où il m'arrive des couilles. Et j'ai pris quelques outils sur moi, du bois, un feu de camp, un four. Bref, tout ce qui va nous être relativement utile et agréable. D'autant plus que forcément le soleil va se coucher, il va nous falloir des petits lits. Donc j'en profite pour récupérer de la laine gratuitement de chez moi. Hop, parfait. Et on peut se barrer. Alors... ah oui, alors le cheval, comment je vais faire? Il faut que je lui donne des pommes peut-être. Là, il me kiffe. Ah, il veut pas. On est potes. On est potes. Ça y est, je lui monte dessus. Je lui monte dessus. Ok, il va être très compliqué à apprivoiser. T'es mon ref? Oh, c'est bon. C'est mon ref. Hop, hop, allez, let's go. Wouhou! Vas-y, passe au-dessus. Yakari, Yakari. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc ça sera pour faire le lit. Oh, je suis sûr que je voulais encore dire quelque chose, je suis dégoûté. Voilà, bah je ne sais plus. Allez, donc on va aller explorer par là-bas. Et puis on est par. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. C'est que je suis con. Dans le village tout à l'heure là-bas, vous savez, j'ai ramené plein de blocs de laine que j'ai même pas utilisé. C'est parce qu'en fait, il y a des échanges laine contre émeraude. Et là, il y avait moyen de se faire beaucoup plaisir. Et malheureusement, bah j'ai oublié. Bon, mais c'est pas grave, de toute façon. Allez, c'est parti. Notre petit Yakari. Bon, malheureusement, j'ai claqué toutes mes pommes, je suis trop con. Mais c'est pas mal. Alors il va pas super vite, mais il va déjà bien plus vite que à pied, hein, donc vraiment sympa. On va récupérer tout sur le chemin qui nous sera utile. Donc la canne à sucre, en fait, c'est genre ultra important. C'est genre ultra important pour les papiers. Si on va par là-bas, vous voyez, on dirait qu'il y a un désert. Donc je suis plutôt intéressé d'aller par là-bas. Mais en même temps, c'est pas sûr que ce soit vraiment un désert. Est-ce qu'il traverse l'eau là ou pas? Voilà, j'ai pensé à tout sauf à ça, mais... Alors mon ref... Ah si, c'est bon, ça va le faire. Ok. Je pensais que ce serait un peu plus complexe. Par contre, faut faire un effort. Voilà, faut un petit peu faire un effort. Je suis pas non plus très lourd. Viens pas me faire complexer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un lac de lave, magnifique. Continuons par là. Oui, c'est pas un désert, hein, de toute façon. Bah alors. Il fait un peu son rebelle, hein. J'ai pas pris le meilleur, hein. J'ai pas pris le meilleur. Bon ben on va continuer par là-bas. J'ai les coordonnées de la base en screenshot, je vous rassure, ne vous inquiétez point. Ok, bah écoutez, on va rapidement se poser. Ah putain, j'ai pas crafté de lit à l'avance, évidemment. Oh là là, c'est pas beau. Et je suis pas efficace là, qu'est-ce qui se passe? Hop, dodo. Dors bien, Yakari. On dort à la belle étoile, c'est mignon, c'est beau. Hop là, un long sommeil. Un long sommeil qui fait toujours plaisir. Hop, et ça repart. Directement, direction le... l'est, hein, c'est là que le soleil se lève, bien sûr. Allez, c'est parti, les amis. D'ailleurs, je peux réaugmenter, suis-je bête. Hop, friendly créature, comme ça on l'entendra un petit peu plus fort, notre cheval. On sera beaucoup plus en immersion. Dans tous les cas, on va pas tarder à s'en arrêter là pour cet épisode. Vraiment, là, c'était focus sur la machine à torture. On verra d'ailleurs à notre retour si ça fonctionne bien. Bon, j'ose imaginer que oui. Après, on n'a pas encore énormément de vaches.
Ça marche aussi avec les moutons d'ailleurs, hein. C'est vrai que je pourrais faire une autre partie juste derrière avec des moutons. Voilà, ça peut être une idée. Mais bon, les moutons, je préfère les tondre que les fumer. Pour la simple bonne raison que bah, les moutons, voilà quoi. On va pas tuer tout ce qui bouge non plus, hein. Donc voilà. Allez, on va continuer par là et on va se laisser finalement porter par les événements. On va pas aller miner, hein, bien sûr. On s'en fout des grottes. Dépendant de ce qui nous attend, bien sûr, s'il y a des structures souterraines intéressantes, on ira voir. Alors Yakari, va falloir coopérer, mon ami. Ah, ça va être compliqué. Saute. Parfait. Saute. Ah, dommage. Saute. Allez, tu vas le faire. Oui. C'est bien, Yakari. Encore. Encore un effort. Yes. Et je l'ai appelé Yakari, voilà, ça y est, c'est... Et d'ailleurs, c'est pas Zachary? Non, c'est Yakari, je sais plus. Est-ce que c'est Yakari ou Zachary? Eh bien voilà, je ne sais plus. On a par exemple là... Oh, mais on est dans un désert presque. Pas vraiment. Oh là là. Oh là 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 là, c'est incroyable. Hein. On s'en fiche. Hein. Allez, on va éviter de faire des dingueries quand même. Hein. Sachant que là, on va quand même se promener loin. Ça me rappelle justement ma aventure saison 1 où on a parcouru plus de 5000 blocs. Pour justement s'installer. Oh là-bas. Là-bas il y a une structure. Oh là on génère des nouveaux chunks. Alors l'idée par contre c'est quand même d'éviter de générer trop de chunks. Parce qu'on est en snapshot et on sait pas la 1.20 ce qu'elle nous réserve. Et voilà. Ce serait dommage de générer des chunks et de pas pouvoir. Enfin vous voyez ce que je veux dire, de parcourir trop loin quoi. Pour découvrir de nouvelles choses. Donc l'idée c'est de pas non plus abuser. Oh Nan. Bonjour les ânes. Hop là, on va passer par là. Tac tac, très bien. Oh, une épave carrément. Ah, alors Yakari, excuse-moi, j'avais pas vu la faille. Mais on va y arriver ensemble, crois-moi. Regarde, hop. Bon, l'avantage c'est que quand il se noie, bah j'ai juste à m'enlever. Et vous voyez, il peut reprendre la tête au-dessus de l'eau, donc c'est parfait. Allez, Yakari. Yakari, tu vas aller chez le dentiste hein, si t'as des caries. Allez, let's go. Ah, oh, je suis trop drôle, bordel. Je suis trop drôle. Oh là, on va aller voir donc l'épave, on va aller voir le portail du Nether et on va s'en arrêter là pour cet épisode, peut-être un petit peu plus long finalement que d'habitude. Des tortues, let's go, il y a des tortues, pas trop loin de chez nous. Je sais plus qu'est-ce qu'on peut faire avec les tortues, mais c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Allez, tu vas m'attendre bien sagement ici, Yakari. On va aller voir cette épave ici, avec des coffres et probablement une carte au trésor. Oh oui, des cartes au trésor, bien sûr. Alors, on a plein de fer. Enfin, plein de fer, ça c'est encore vite dit. Ok. Une épave facile d'accès, ça fait plaisir. L'autre coffre il doit être eh bien à l'arrière au fond. Ici même. Voilà et on n'a pas de chasse au trésor. Et rien ne m'intéresse. La chair putréfiée pour les échanges avec les villageois. Voilà. C'est pas si ouf que ça malheureusement. Mais c'est déjà mieux que rien. C'est notre première épave. Bam, ici on a aussi un petit coffre qui nous attend si je ne dis pas de bêtises. Avec finalement un briquet en plus. Du silex en vrai on s'en fiche. Obsidienne c'est toujours cadeau. Ça prend de la place pour rien. Et ça c'est de la merde. Voilà. Le petit bloc d'or en haut, est-ce qu'on le prend? Eh les gars, quand même. On prend tout ce qui bouge, on a dit. Alors manifestement les blocs d'or ne bougent pas. Mais bon, il y a une autre épave là-bas hein, si jamais. Il y a une autre épave de bateau. Mon ref t'es où? Je t'entends, t'es là. Il y a une autre épave de bateau. Et on va aller le voir dans le prochain épisode les amis. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'espère tomber sur un désert ou surtout évidemment une jungle. C'est vrai que c'est la jungle la priorité, j'avais complètement oublié. Vraiment, espérons tomber sur une jungle. Si on regarde un petit peu avec la longue vue. Pas de jungle à l'horizon. Dommage. Par contre, une épave ici. Chasse au trésor. Ouais, lève pas la tête comme ça toi. Chasse au trésor, à mon avis, ça va être bien sympa. N'oublie pas le pouce bleu. Et à très bientôt pour le prochain épisode. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.